N'aimez pas le monde. Usitamani dunia. Ni les choses qui sont dans le monde. Wala bitu biko katika dunia. Si quelqu'un aime le monde, kama mutu anapenda l'amour dunia, du Père n'est pas de point en lui. Mapendo ya baba haiko ndani mwake. Un chrétien ne peut pas aimer le monde. Mukristu hawezi kupenda dunia. Ni les choses qui sont dans le monde. Wala bitu biko katika dunia. Le monde, dunia, c'est un ennemi de l'homme. Inakuwa ni adui ya dans le monde, il y a le péché. Le péché, c'est tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Il y a la bière, il y a la sorcellerie, il y a le mensonge, il y a la fornication, il y a l'adultère, il y a toutes ces choses, la masturbation, le mensonge, toutes ces choses constituent le monde. Si vous aimez le monde, vous devenez ennemi de Dieu. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas être trouvé dans le monde. Le diable va mettre des pièges par-ci par-là. Va voler, tu voles. Va boire, tu bois. Mens, tu mens. C'est-à-dire, tu ne peux pas, même s'il faut dire là où il faut dire la vérité, toi tu veux toujours mettre les mensonges. C'est parce que tu deviens un obsédé. C'est-à-dire, le combat qui était dehors entre maintenant en toi. Toi tu deviens comme la télévision. Maintenant, quelqu'un d'autre a la télécommande. Il te téléguide maintenant. Tu as un fiancé. Mais tu n'es pas satisfait. Ou tu n'es pas satisfaite. Il faut en avoir deux, trois. Amen. L'obsession. Tu as des habits de mal, des mal, des garde-robes. Tu n'es pas satisfait. Il faut toujours pécher pour en avoir. Et quand l'obsession est consommée, ça pousse maintenant l'homme à la possession. Avant d'être possédé, vous devez passer par l'oppression, l'obsession. Maintenant, la troisième phase finale, c'est la possession. La possession veut dire l'âme, l'esprit et le corps sont maintenant dominés, enfermés par le ténèbres. Amen. L'oppression, c'est les yeux peuvent vous amener à la mort. Les yeux peuvent causer des dégâts. C'est pourquoi les sœurs, vous devez bien vous habiller pour ne pas exposer les autres aux dangers de la tentation. En famille, dans le quartier, à l'église, vous devez être des gens qui peuvent aider les autres à maintenir leur sanctification. Les yeux ont des problèmes de voir. Les yeux ont des problèmes, ont un combat. Les yeux n'aiment pas voir. Quand les yeux voient, ils convoitent. Un homme commence à venir avec une Prado dans le quartier. Mais si cela ne prie pas, c'est une prostituée. Mais tu vois un homme qui commence à venir avec une Prado, avec une Jeep là. Et toi tu pries. Hein? Tu n'as pas même quelqu'un qui t'aime ou qui te dit je vais te fiancer. Le diable veut entrer pour commencer un combat avec toi. Comment moi j'ai prié? Mais je n'ai pas un tel homme. Mais elle qui ne prie pas, qui se prostitue, comment elle peut avoir un tel homme? C'est une oppression. Le diable veut t'attirer. Alléluia. Derrière ces prados là, derrière cette Jeep là, peut se cacher le sida, peut se cacher la maladie, peut se cacher la mort, le lien. C'est comme ça, un enfant de Dieu qui est sauvé doit se contenter et mettre son espérance en Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confondus, ne sont jamais déçus. Quel que soit le temps de la souffrance, la souffrance s'arrêtera un jour. Tu dois comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Je souffre pour le Seigneur, mais Dieu me récompensera un jour. Alléluia. Amen.